Et coucou tout le monde, nous sommes mercredi, il est 9h30, nous sommes debout depuis maman. Il y aura, regardez là, je sais pas si vous allez voir sa tête. Je sais pas si vous allez voir ça, attendez. Maman. C'était bon les gâteaux? C'était bon les gâteaux chérie? Ouais. Elle en a partout la pauvre. Là je suis à la bourre, il faut absolument que je vous montre le vlog d'hier que j'ai pas du tout monté. Allez. Oui. Et voilà. Un petit bol de riz rose. Oh, tiens. Donc là, elle joue à la pâte à modeler, j'ai mis la musique et moi, c'est parti pour le montage de la vidéo. Donc là il est midi moins 10, quelque chose comme ça, mais Yora a trop faim et elle arrête pas de pleurer en fait depuis tout à l'heure. Du coup je lui ai préparé son déjeuner, je lui ai préparé c'est de l'onglet avec des pommes de terre sautées. Je lui ai mis un peu de ketchup et de mayo pour qu'elle goûte à côté, mais vraiment c'est pas du tout ma priorité, c'est juste pour lui faire découvrir des saveurs si jamais elle veut pas manger. Mais elle a pris tout de suite un morceau de viande et elle le mange, et d'habitude c'est le genre de choses qu'elle mange pas. Donc vous savez, si vous êtes maman, vous savez qu'il y a des journées où c'est un petit peu particulier quand vos enfants chouinent, râlent, sans raison particulière, sans avoir de fièvre, sans avoir mal nulle part, sans rien. En fait, il y aura cette nuit à, je crois, 3h ou 4h du mat, elle s'est levée et elle est venue dans le lit avec nous. Sauf que ça a été hyper compliqué, elle voulait pas laisser dormir son père, elle a pas arrêté de le pousser. Moi à un moment j'ai rattrapé Loïs pour pas qu'il se casse la gueule du lit parce qu'elle le poussait tellement qu'il était au bord du bord. Voilà, j'essaie de comprendre ce qui se passe, je sais pas ce qui se passe. Elle vient de goûter le ketchup, on sait jamais. Ça va te faire les dents, ça c'est cool. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. Là, j'ai mis un dessin animé. On va rester calme parce qu'en fait, elle veut pas quitter mes bras et c'est super compliqué pour faire à manger. Moi, du coup, même s'il est tôt, je vais manger aussi parce que j'ai fait cuire la viande. Et si je la mange pas, froid sera pas bon et trop cuit, ce sera pas bon. Donc, on va voir un peu ce qu'elle fait. On va voir un petit peu si on arrive à calmer tout ça et puis on ira faire la sieste assez tôt. Voilà, à tout à l'heure. Tu dis à tout à l'heure ? Non, c'est sûr, mais bon, c'est dit, voilà. Et coucou, il est 13h29 et Eliora a fait la sieste. Ça doit faire un quart d'heure à peine qu'elle dort. Du coup, je pense que vraiment, je vais en profiter pour me reposer parce que là, c'est un petit peu compliqué où je voulais me faire les ongles aussi, mais je crois pas. Franchement, je crois pas. Ça a été hyper galère ce matin avec la petite. Je sais pas pourquoi elle est ronchon comme ça. Elle est vraiment grognon. Mais bon, c'est pas très grave. Elle a pas de fièvre. Tout va bien. Et puis voilà. Voilà. J'ai plein de concours à organiser. Il faut que je me dépêche. Mais voilà. Je vais en lancer un autre. Là, je vais aller faire mon tirage au sort pour savoir qui a gagné le bavoir Aden by Aden plus Anaïs. Et j'ai un concours qui commence aujourd'hui aussi que je dois mettre sur Instagram. C'est un concours pour gagner un bibon Twitch check. Voilà. Coucou, musique. La tétine, c'est pour faire dodo la tétine. Merci. Coucou, bah écoutez, il est presque 4h. Là, je viens de sortir de la douche. J'ai un bouton là.
C'est trop triste. Je vais me démêler les cheveux et après je vais filmer pendant que je me maquille pour vous refaire une petite vidéo qui avait l'air de vous plaire, une espèce de blablaquillage. Et je pensais du coup mettre un thème à la conversation. Donc on va voir. Là pour l'instant je suis en train de chercher mon démêlant, il est disparu. Donc voilà, il y aura pas forcément au top de sa forme. Demain j'ai un mariage, j'ai le mariage de mon cousin. Du coup je vais aller jeter un coup d'œil chez Zara pour Ellie et pour moi si on trouve des petites tenues. Sinon on fera avec ce qu'on a avec dans le. Sinon on fera avec ce qu'on a dans les placards, voilà, mais c'est toujours sympa de. Voilà. Donc c'est juste le mariage civil parce que le mariage religieux a lieu en dehors de la France. Donc je pense pas pouvoir y aller. Tout simplement. Mais bon, ça me fait super plaisir. Il y a un petit vin d'honneur après, donc ça va être sympa. Ça fait toujours plaisir de se retrouver en famille. J'adore. J'adore ça. J'adore les mariages. J'adore la famille. J'adore. Enfin, je pense que vous le savez déjà. Mais écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, ça y est, je suis prête. Je vais regarder ce qu'elle a fait pendant que j'étais dans la douche. J'ai eu trop peur. En fait, j'ai entendu le bruit et j'ai cru, je sais pas, qu'il y avait une armoire qui se cassait la figure sur elle. J'ai eu trop peur. Je suis sortie de la douche en courant. Et en fait, voilà. Elle a amené ça dans le salon et elle l'a vidé. Regardez comme elle est belle. Tu fais coucou chérie? Avec tes belles chaussettes hautes. J'adore. Bon bah voilà, je prends une veste avec moi mais il fait assez beau. Je l'ai couverte parce que bah, il faut la couvrir. J'ai mis un petit gilet quand même pour lui couvrir les bras parce que la robe n'a pas de manches. Pour celles qui voudraient savoir, c'est une robe Kenzo que j'avais achetée en solde cet été, au printemps. Et elle est réversible, elle est vraiment trop mignonne. Et coucou, il est maintenant 7h15, on vient de rentrer du parc parce qu'en fait, après être allée faire du shopping, entre guillemets, on a été au parc, j'avais besoin de rester dehors, j'avais pas envie de rentrer tout de suite à la maison. Mais parce que la recherche d'appartement, ça va, mais les relations avec la propriétaire sont compliquées. Parce qu'en fait, j'ai pas trop le moral, parce que les modalités de départ d'ici ne correspondent pas vraiment à ce qu'on pensait, et du coup, les choses se compliquent, et j'ai la pression avec une agence immobilière qui m'appelle pour venir prendre les photos de l'appartement. Je me sens super mal en fait, là, moi j'ai qu'une envie, c'est partir, mais pas parce que je me sens pas bien, mais je me sens pas bien parce que. Parce que j'ai un peu l'impression qu'on me met dehors, quoi, et qu'on veut me donner des... On veut me mettre dehors, et c'est super dur à vivre, dans le sens où, bah, moi, j'y suis pour rien, quoi, si... J'y suis absolument pour rien, je suis pas du tout concernée par l'histoire, donc si la propriétaire de l'appartement a besoin de vendre, bah, très bien, moi, je veux bien faire un effort, mais... Mais voilà quoi, c'est compliqué. Eliora, elle est en train de s'amuser. Je lui ai trouvé chez Oxybule. Ah oui, alors ça, c'est parce que quand même du rouge à lèvres. Tout un ensemble de fausses petites glaces comme ça. C'est toute une box. Bon, c'est à partir de 3 ans, mais bon, ça, c'est très très bien pour Eliora, même si elle a pas encore 2 ans. Il n'y a aucun souci, elle risque rien d'avaler parce que tout est gros. Il y a des trucs comme ça. Il y a une glace genre Sunday comme ça, et il y a des petites glaces comme ça, et il y a toutes les couleurs. Il y a blanc, jaune, rose, et marron. Là, vous voyez, ils sont par terre, voilà. Parce qu'on... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais comme ça? Pourquoi tu t'allonges par terre? Eliora, elle t'allonge par terre. Ouais, donc voilà, donc du coup, je suis désolée pour ce moment qui est pas hyper funky, pas hyper joyeux, mais bon, c'est comme ça. Je suis assez préoccupée en fait par toute cette histoire, ce qui est normal parce que j'ai quand même ma fille qui est là, hein, et moi, si je peux pas me reloger, bah, je fais comment? Oh, c'est quand même dingue. Je vais voir avec Loïs comment on fait. J'ai oublié. Tiens. On va au dodo? Maman dodo! Maman dodo? Oui, c'était moi. Allez, file! Mais tu peux pas boire et marcher en même temps, regarde où tu vas! Ah là là! Nous, on a déjà brossé les dents, on a déjà nettoyé le visage. Hop! On va au dodo! On va mettre le pyjama et tout, on va
Il n'y a pas besoin de ranger la chambre parce que tu avais tout ramené dans le salon. Donc maman, elle a rangé le salon.